Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Donc je vais vous présenter les derniers diamond paintings que j'ai eu sur Amazon et sur Noz, des cadeaux que mon chéri m'a offert. Amazon, c'est moi qui me suis offert ces 3DP Amazon, et tous les autres c'est une partie moi et une partie mon chéri qui me les a offerts. Donc on va commencer avec la partie Amazon. Donc voilà le premier DP, on va ouvrir et vérifier tout ça ensemble. Donc je me suis pris cette toile. En 30 par 40 pour Halloween, je la trouve magnifique. Elle me fait penser un petit peu à toile d'Harry Potter. Hop, nous avons le petit toolkit de base. Donc on a des sachets. On a des étiquettes apparemment numérotées. Ah oui, d'accord, de 1 à 25 par rapport aux couleurs. Pourtant, il y en a que 20, il y a 22 couleurs. D'accord, ok. La petite colle, le petit récipient. Bon, ça, c'est le toolkit de base. Voilà, bon, ça, c'est pas la feuille de route, c'est l'explicatif. Donc ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et nous avons donc nos couleurs. Donc je l'ai eu pour 9 euros. Un peu moins de 9 euros. Donc on va vérifier nos couleurs. Donc il y a bien l'air d'y avoir 22 sachets. MY128, donc c'est la bonne référence. Donc normalement celui-ci, le 3, c'est le 310. Ouais, c'est toujours le même noir. Celui-là, je vais en avoir pas mal d'avant. Je pense que j'ai plusieurs toiles avec pas mal de noir. Le violet, qui vient ici. Du gris, du marron. Du violet foncé, du marron. Du gris marron. Du bleu. Du beige. Du marron, du marron, du marron, du marron et du blanc. Il n'y a pas de AB dans ce lot. Non, il n'y a pas de AB dans ce lot. Donc nous avons bien nos 22 couleurs. Les chiffres sont bien lisibles. Qu'on a que des lettres. Ah, c'est que des lettres. Nous n'avons que des lettres. 22 lettres. Non, tout est bien lisible. Tout est bien. Elle est trop belle. Tiens, tiens, tiens. Nous avons de la visite. Monsieur Titi. Bah ouais, te voilà là, ça m'étonnait autrement. Bah ouais, je m'en doutais, vu que je tourne une vidéo, forcément, faut que tu pointes le bout de ton nez. Ah, je la trouve magnifique. C'est un peu style Harry Potter. Bah allez, grimpe. Allez, grimpe. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Bon, allez, magnifique. Donc voilà la première toile. Hop, donc, je vais tout remettre comme ceci. Hop. Allez, grimpe. Allez, viens là. Allez. Attention, là, monsieur Tigrou. Monsieur Tigrou qui vient vous faire un coucou. Donc, hop, ça, je vais peut-être la mettre dans une autre. Je ne sais pas si ça va repasser le temps. Si ça va repasser le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc, voici la première toile. Hop. Ensuite, tu vas te pousser un petit peu, mon cœur, s'il te plaît.
Donc, je vous en avais déjà présenté un. Je vous avais dit que pour ma maman voulait deux châteaux dans les tons bleus. Donc j'en ai déjà fait un. Et là j'ai retrouvé à peu près le même style de modèle. C'est à peu près le même château que j'ai déjà fait, que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Allez, tu vas aller dans ton panier? Oui, tu sens tout ça? Non, tu manges pas le plastique. Non. Tu mords pas le plastique. Et allez, pousse-toi mon cœur. Hop. Donc ouais, j'en avais déjà fait un. Le modèle est un petit peu plus grand. C'était un 40 sur 50 et là c'est un modèle 30 sur 40. Donc il y a 24 couleurs. Donc on va vérifier ça. Alors, tu vas te pousser, Titi. Viens mettre là. Mets-toi là. Tu veux que je mette tout ça là? On va faire de la place pour Monsieur Titi. Allez. Espérons que ça ne tombe pas. Allez, voilà. Donc, je disais donc qu'il y avait 24, nous avons donc 24 couleurs. Donc, nous allons donc vérifier 01, 02, 03, 04, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc c'est essentiellement du bleu et du blanc. Donc là je viens de m'imprimer. Parce que vous voyez là sur. C'est pas. Là j'ai les DMC. Là-dessus c'est pas marqué. Et si j'ai un doute. J'ai trouvé ça sur internet où là-dedans bah, c'est le reste de mes diamants. Voilà, c'est tout ce qui me reste en diamant rond. Et j'ai trouvé sur internet les DMC. Donc je les ai mises là-dedans, comme ça quand j'ai un doute. Et que je ne sais pas, quand c'est pas marqué, bah voilà, je sais à quoi ça correspond pour pouvoir venir remettre le reste de mes perles dans les petits sachets que j'ai classés par numéro. Voilà. Donc ça vous pouvez le retrouver sur internet. Et si jamais vous le voulez, vous m'envoyez un petit message sur mon Facebook ou mon Instagram et puis je vous l'enverrai. Donc voilà, ça c'est le deuxième petit château. Donc ça, on est bon. Hop. On a tout ce qu'il faut. Donc j'ai le temps de lui faire, c'est pour Noël, j'en ai déjà fait une. Donc j'ai le temps de lui faire. Ensuite, la dernière commande Amazon Noël. C'est une toile de Noël, voilà. Dernière, hop, c'est une toile de Noël. Alors je cache parce qu'en fait, j'ai reçu ça comme ça dans la boîte aux lettres avec mon adresse derrière. Voilà, juste l'étiquette comme ça. Super. Donc voici la toile. Elle est trop belle celle-ci. Les petits gnomes de Noël. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Ouais, j'étais dans le jardin, tu sens le jardin peut-être. Tu vas dans ton panier ou tu viens là?
Qu'est-ce que tu fais? Il ne sait pas ce qu'il veut. Alors, ici, nous avons donc le petit toolkit de base. Donc là, nous avons des stylets blancs pailletés. On a une gomme. On a un multiplaceur. Ah oui, non, c'est pas un multiplaceur. Enfin, c'est tout. C'est comme celui que j'ai déjà sur le mien. En fait, celui-là, je m'en sers pour venir replacer les perles quand elles sont légèrement de travers. Ouais, c'est tout plat, c'est une réglette. Donc, je viens prendre mes perles et je viens replacer comme ça entre chaque ligne quand c'est légèrement de travers. Hop. Me revoilà, j'ai dû couper pour donner à manger à Monsieur Titi. Donc on était sur la petite toile de Noël. Donc c'est une 30 par 40. Nous avons donc 25 couleurs. WX 16, 13, c'est bon. Donc hop, marron, noir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y en a beaucoup. 13, il y en a 2. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et deux fois le 25, donc on a deux fois 13 et deux fois 25, voilà. Donc nous avons bien nos 25 couleurs. Et nous avons donc des chiffres et des lettres pour cette toile. Et franchement, les lettres sont vraiment très 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 bien lisibles. Je suis en train de chercher les chiffres. Ah là, il y en a là dans le visage. Dans le visage. Et il y en a là. Ouais, non, franchement, pareil pour une toile de moins de 10 euros. Franchement, impeccable. Donc voilà pour les toiles Amazon. Donc même pas emballé dans un carton, j'ai reçu ça comme ça, voilà, dans la boîte aux lettres. Je dis avec mon adresse comme ça dessus, voilà, mon adresse et voilà. J'ai dit c'était limite quand même, hein, mais bon. Donc voilà pour les toiles Amazon. Nous allons donc passer aux toiles de chez Nose. Donc voici les modèles. Donc c'est toutes des 40 par 50. Hop. Et le dauphin. Voilà les modèles que je vais vous montrer. Pour un prix de 5 euros. Voilà, 5 euros. Allez, on va commencer par le dauphin. Le toolkit de base, voilà, vous commencez à le connaître. Et voici la toile. Ouais, elle est magnifique, en 40-50. Nous avons donc 26 couleurs. Donc on a le modèle ici, on a le modèle de la toile ici, donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est des dauphins avec une vague, un coucher de soleil.
on va donc vérifier les perles ensemble. Donc il y a 26 couleurs. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, 19, 20. Donc on a du bleu, du vert, du jaune, du marron, du violet, du gris et du beige. Et ensuite on a 21, 22, 23, 24, 25 et 26. J'adore cette couleur. La couleur menthe comme ça, j'adore. Et là, le blanc, il y en a pas mal. Donc, nous avons bien notre nombre de couleurs. Alors, hop. La toile est bien visible. Par contre, nous avons des petites lettres et des grandes lettres, apparemment. Donc, il va falloir faire attention. Mais, par exemple, ici, vous avez le E majuscule et ici, vous avez le E minuscule. Donc logiquement, ça devrait bien, on devrait bien les voir. Oui, ça va, c'est lisible. On les a ici. Les E minuscules, les B minuscules. Ouais, ça va, c'est bien lisible. Il n'y a pas de rond, il n'y a pas de délimitation, donc il n'y a pas de carré, il n'y a rien. Donc pour mettre les perles, c'est que des perles rondes, c'est nickel. Donc voici pour la toile numéro 4. Et franchement, pour le prix... En venant de chez Nose, c'est vraiment top. Ensuite, nous avons celle-ci, un coucher de soleil sur la plage. Waouh. Celui-là va être magnifique à faire. Waouh! Et nous avons aussi 26 couleurs. Et c'est pareil, c'est des petites lettres et des grosses lettres aussi. Voilà, le noir, c'est du E en minuscule. Waouh, ouais, sublime celui-là. Et franchement, pour un petit budget, les toiles sont vraiment belles. Hein. Sont de bonne qualité. Hop, c'est pas grave, c'est le couvert de la poubelle qui est tombé. Donc, nous avons bien la référence de la toile CG76-800. Et normalement, il y a 26 couleurs. Alors, numéro 1. Ah, là, c'est bien parce que tout est marqué. La DMC est marquée sur le papier. Là, vous avez la DMC qui est écrite dessus. 01-310, c'est les noirs. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on en a 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 et 26. Nous avons bien nos 26 couleurs. En tout cas, pour le moment, sur toutes les toiles que j'ai faites de chez Noz ou de chez Action, je n'ai pas eu de problème de manque de perles. J'ai toujours eu un petit rab. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Allez, viens. Grimpe. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Bon, écoute, quand tu seras décidé. Donc, voilà l'image. Voilà, du coucher de soleil. Il va être top à faire, celui-ci. Il va être top à faire. Et c'est pareil, c'est une 30... Une 40-50, celle-là. Voilà, 40-50. Te revoilà. Hein, te revoilà. Ouais, c'est intéressant tout ce bruit. C'est intéressant tout ce bruit de paquet là. Ah bah ça, les emballages. Hein. Ça, les emballages. Hop, et là. Hop, donc voici pour la deuxième. Hop, passons à la troisième. Alors celle-ci, c'est ma préférée. Oh, celle-ci, elle est vraiment magnifique. La boîte était complètement abîmée, craquée, mais je m'en fiche. C'est qu'une boîte. Mais alors... Elle est magnifique. Donc on a le toolkit de base. Et nous avons nos perles. Ah, ça y est, Monsieur Titi est parti dans sa corbeille. Donc voilà ce que ça va donner. Elle est sublime. J'adore, 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 j'adore. Trop beau. Donc nous avons 30 couleurs sur celle-ci. Alors par contre, vous voyez... Là, la légende, c'est pas du tout la même. Il n'y a pas du tout de couleur. Il n'y a que des symboles entourés de ronds. Donc là, vous avez sur la toile... Ah oui, en fait, vous avez que des ronds sur la toile pour pouvoir poser vos diamants. D'accord. Ouais, comme quoi, d'une toile à l'autre, c'est pas pareil. Donc, nous allons donc vérifier nos 30 couleurs. Alors, on a aussi bien des pavés que des confettis. Il y a quand même pas mal de confettis, mais il y a quand même pas mal de pavés, que pas mal de blocs. Tout ça, là, c'est du bloc. Là, c'est du confetti. Là, c'est du bloc et du confetti. Ouais, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Donc, on va ouvrir tout ça. On va vérifier les 30 couleurs. Ah, là, il y a du AB. Il y a du AB. Donc ça, c'est les dernières couleurs. Et celle-ci, c'est les premières. Donc nous avons bien numéro 1. Donc c'est pareil, ici, vous avez bien marqué numéro 1, la DMC et le numéro de la toile. Donc qui correspond bien à ça, JC70-562. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme couleur? Qu'est-ce que nous avons comme AB? Donc, on a encore du 310. Ça va, c'est toujours à peu près les mêmes couleurs. Hein. C'est toujours à peu près les mêmes références qui ressortent, donc c'est bien. S'il nous manque des perles, du coup, je vais en avoir d'avance. Donc, c'est nickel. 11, 12... 13, 14, 15, 16, il y en a pas mal. 17 aussi. 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et la 30, c'est un AB. Il n'y a qu'un seul AB, c'est celui-ci. J'en ai déjà fait dans l'oiseau, celui-ci. Dans l'oiseau de chez Action. Je crois que c'est... Ouais, c'est bien marqué en plus. 307 AB. Il me semble que c'est ce qui me reste. Je vais vérifier tout de suite, mais il me semble que c'est la même. 310 AB. Mais il me semble que j'en ai. Ah non, c'est pas la même. C'est encore une autre couleur. Moi, c'est 742. Et 3046. Non, c'est pas encore les mêmes. C'est encore un autre. C'est encore un autre. Hop. Donc voilà, nous avons bien nos 30 couleurs. Et nous avons un AB. Donc ça, c'est top. Donc c'est la numéro 30, c'est la lettre T. Donc c'est ici le AB. Le AB, c'est le jaune. C'est le jaune qui se trouve ici, ici et ici. Voilà, je vous remontre l'image. Voilà, c'est celui-ci. Donc le AB va se trouver dans les arbres jaunes orangés là. Ah, ça va être joli. Ça va être joli. Mais tout quand même. Dans les boîtes au moins comme ça, ça protège. Hop. Ensuite, nous avons le chat. Le petit chat, comment il est trop beau. Donc c'est une 30 par 40 aussi. On a le toolkit. Voilà, on a les perles. Hop. Bon, ça c'est pas gênant parce que je le couperai après. Pour mettre dans le portfolio quand elle sera faite, donc ça c'est pas gênant. Donc voilà notre joli petit minou. Nous avons 26 couleurs. Il y a une perle qui s'est fait la malle. Alors, numéro 1, 2, encore du 310. Je crois que je vais en avoir pas mal de réserves. J'ai 3 ou 4 toiles avec du 310. 318, 321, 402, 414, 415. 10, 11... 12, 13, 14, 15, on en a 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Et celui-ci, c'est un AB. Nous en avons un AB. Un vert qui est la référence 907. 907 AB. C'est bien, c'est que c'est marqué 907 AB. 907 AB. Donc il y en a un. Il y en a un AB.
Donc c'est du vert et donc c'est le numéro 26 je suppose. Ouais, 26 c'est le X. Voilà, c'est tout ce qui est vert dans l'arbre ici. Il va être trop beau ce chat. Il ressemble un petit peu à mon Titi, un petit peu tigré. Un petit peu tigré. Pas tout à fait le même modèle, mais bon. Et nous passons donc à la dernière toile, c'est celle-ci, un paysage de montagne enneigé. Hop, donc voilà. Et nous avons 26 couleurs également. Ouais, elle est belle aussi. Voilà l'image. Ouais. Elle est jolie. C'est pareil, il n'y a pas de défaut non plus. On voit bien les lettres et les chiffres. C'est la même légende que l'autre, voilà. C'est tout simple, pas de couleur, rien. C'est tout noir. Mais c'est très bien lisible, donc c'est impeccable. On a le toolkit. Et on va vérifier les perles. Ah d'accord, c'est mis comme ça en vrac. Bon, d'accord, c'est mis comme ça en vrac. Donc nous avons les 9 premières couleurs. Donc encore du 310. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Maintenant, alors, le numéro 10, le numéro 11, le numéro 12, le numéro 13, on en a deux. 13. Le numéro 14. Le numéro 15. Le numéro 16. Le 17, j'aime beaucoup cette couleur. 17, le numéro 18, le 19, on en a deux. Le 20, le 21, on en a deux. Le 22, le 23, le 24, le 25 et le 26, c'est bon.
on a bien toutes nos perles. Donc du coup, je vais laisser là-dedans pour une fois. Je vais tout remettre dans le sachet. Ça va m'éviter de les perdre. C'est vraiment beau ce paysage, je l'aime vraiment bien. Je l'aime vraiment bien. Donc voilà pour l'étoile du jour. Donc là, j'ai ma petite réserve. J'ai vraiment de quoi faire, de quoi tenir plusieurs mois. Sans problème. J'en attends encore une qui sera un cadeau. Donc voilà pour toutes ces petites toiles. Donc voilà, je vous remontre les modèles. Voilà pour les toiles de chez Noz. Ici, c'est celle d'Harry Potter. Les gnomes de Noël. Et le château bleu. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais des bisous. Moi, je vais continuer ma toile château de chez Action. Je commence la deuxième colonne. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve demain pour le live, 13h30, 15h30. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.